dispose d'un aéroport international qui permet des connexions aériennes au niveau national et international, un levier évident. De la centralisation, la décentralisation au nom de Monsieur le Président de l'État togolais. Chers participants, que je souhaite au nom du ministre d'État, dès demain, parce que libéré de cette. الرحمن الرحيم. سعيد أفروخ رئيس المجلس الإقليمي لوتزات. كتشرف المجلس الإقليمي اليوم مع عمالة الإقليم باستضافة واحد يعني الوفد من دولة الطوغو، واحد الوفد رفيع المستوى كيتكون من رؤساء الجماعات الترابية وكيتكون كذلك مسؤولي وزارة الداخلية على مستوى وزارة الداخلية وكذلك يعني المجتمع المدني وفعاليات على مستوى دولة الطوغو. تندرج هذا يعني اللقاء في إطار تقوية أواصر الصداقة والتعاون وفي إطار كذلك تفعيل اتفاقية اللي كتجمع بين المجلس الإقليمي وجماعة كلوتو واحد واللي كتهدف إلى تقوية يعني أنه السياحة التضامنية عبر واحد العدد ديال المداخل، منها تقوية القدرات، منها تمويل واحد العدد ديال المشاريع التنموية اللي كتدخل في إطار تشجيع السياحة التضامنية. الحمد لله هذا يعني الاتفاقية عرفت واحد المسار يعني أنه كبير جدا عبر تبادل الزيارات سواء على مستوى دولة كلوتو أو سواء على مستوى المغرب. النظراء ديالنا من دولة الطوغو عبروا على الرغبة ديالهم لمزيد من الشراكات مع الجماعات الترابية بإقليم ورزازات على مستوى مثلا السياحة التضامنية وعلى مستوى كذلك الاقتصاد التضامني، الفلاحة، وعلى مستوى كذلك الصناعة التقليدية وما إلى ذلك. نتمنوا إن شاء الله باش تتوج بتوقيع اتفاقيات وتوأمات على مستوى هذه الجماعات اللي غادي تكون إن شاء الله تندرج في إطار تقوية الدبلوماسية الموازية اللي راعيها هو صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده. ماش مقل أميل سيجاكو أبلتي جنرالتير لوني جي بقاتي يومينا سوى لدرمانة إيران سيان بلازي بمون دا سيسي à cette formation aujourd'hui. Et au-delà de la formation, c'est le cadre d'accueil et d'échange sur les questions de coopération décentralisée. Et comme vous l'avez constaté, une priorité, un moyen aujourd'hui pour concourir à la concrétisation des enjeux liés au changement climatique, au développement durable, c'est la coopération décentralisée telle que manifestée par la quinzaine de communes togolaises, membres de la Convention des mêmes provinces aériennes qui ont fait le déplacement sur le Maroc. Nous saluons la disponibilité du gouverneur, du président du conseil provincial et tous les présidents des conseils communaux pour engager des discussions avec le père du Togo afin de déboucher soit sur les coopérations décentralisées ou la préparation des projets de développement durable au bénéfice de nos populations. C'est un réel plaisir d'avoir participé à ce séminaire qui porte sur l'écotourisme et le tourisme dans cette ville de Ouazazate qui est en relation de coopération décentralisée entre la commune de Togo et la province de Ouazazate au Maroc. Nous sommes venus composer d'une délégation de 15 maires que j'ai eu l'honneur d'accompagner de ce séminaire. Les échanges de ce séminaire sont plus que constructifs pour le développement des territoires de nos deux pays qui bénéficient de la stabilité politique grâce à la volonté manifeste de leur chef d'État, le président de la République togolaise, Son Excellence, M. Faure Gnassingbé, et Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Au sorti des travaux de ce séminaire, beaucoup de points ont été retenus. Et la mise
à nul de ces points vont offrir un développement nouveau, non seulement au peuple de nos deux pays, mais au continent tout entier. Aujourd'hui, le tourisme n'est plus à démontrer. C'est des actions à mener et, comme je l'ai dit, en mettant en œuvre les différents aspects du développement.